Bonjour à tous et bienvenue sur la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Cet épisode est donc l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller voir le premier, tout simplement. Donc la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu avancé. On a tué quelques chefs de guerre, on a amélioré un petit peu nos armes et nos capacités. Et maintenant, on va passer au suivant, avant d'aller faire le boss principal. Enfin, le boss principal. Les quêtes principales, les quêtes jaunes. Si, c'est les quêtes principales. Je suis pas sûr, mais bon. Enfin voilà, du coup ça va me donner plein de puissance, ça va être bien, trop bien. Et voilà. Mais par contre, je le vois pas. Attends. Ah, c'est pas là. Ah. Duche le hurleur. Scott la cervelle de Wado. Quand un capitaine meurt, un poste se libère. Dans l'armée de Sauron, un nouveau capitaine peut prendre cette place quand le temps passe. Ok. Je ne comprends pas. Où est-il ? Bon, écoute. De toute façon, il faut que j'aille tout droit. Donc, allons tout droit. Oui, c'est moi. Salut. Mais non ! Oh, enfin. Mais allez ! Interroger. Voilà, c'est ça que je vais faire. Accepte-moi. Comme s'il avait le choix, tu sais. Alors, qui est-ce qu'on va découvrir maintenant ? Lui, Grotte le maître Caragor. Ah mais ça tombe bien, c'est celui que je dois tuer en plus. Mission principale. Eh, sympa. Sympa. Salut les gars. Faites comme si j'étais pas là. Tout va bien. Tout va bien. Je vais juste tous vous buter. C'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on aime tuer des orques? Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est pris pour un bonze ou quoi? Non mais je rêve. Oh, les bonnes éliminations qui font plaisir. Si seigneur. Ils sont tous morts. Oh, déjà. Enfin. Donc c'est tout droit par là-bas. Donc allons par là-bas. Tigri 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 titi. Aïe aïe. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Salut. Ah merde. Salut gros. Ça va? Tranquille, ta vie? Tout ça? Les amis, la famille, les enfants. Ça va? Ah merde. Mais arrêtez un peu là. Vous avez pas compris que vous pourrez rien faire contre moi? Vous êtes désespérant les gars. Désespérant, moi je te le dis. Moi je te le dis. Pourquoi j'ai pas... Et pourquoi il a pas fini? J'ai fait une exécution pourtant. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que je peux aller là-bas maintenant? Au prochain combat, je te conseille de te mettre sur le côté et de compter combien j'en massacre. Ah ouais? Je te conseille de faire la même chose avec moi pour voir. Tu verras, ce sera pas le même délire. Merci. Avec plaisir. Y'a pas de saucé. Bon du coup, hein? C'était quoi ça déjà? Combien? Contrôle G. Pouvoir 8. Mais je le défonce lui, capitaine d'élite. Alors on va se tester un peu pour voir. Pour voir ce que ça donne. Tout ça, tout ça. Battez hashtag Ashgarn. Ashgarn l'écrasant. On va commencer par tuer eux. Oh là, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. Je suis pas seul, imbécile.
Dis bonjour à mes amis. Tes amis vont tous mourir. Hop. C'est ça. Tu mourras pas avec ce tour, je suis trop vite. Alors là, le principe, c'est qu'il va falloir que je rate aucun coup, que je me prenne aucun coup dans la gueule. Histoire d'avoir toujours les exécutions avec F. On va voir jusqu'à combien je peux aller. Jusqu'à quel... quel multiplicateur de combo je peux aller. Et on va tous les buter. Oui. Ça. Hey, tu vas finir par crever, gros, moi je te le dis. Oh, stylé ça. C'était pas mal. Et voilà, ça c'est fait. Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Trop, beaucoup trop jouissif. 18 de poids. Aïe, oh, j'avais dit que je devais pas me faire toucher là. Bon, viens, je me suis pas fait toucher, mais. Bon, allez, crevez là, y'en a marre maintenant. Tiens, voilà, ça c'est pour. Ça c'est pour ma mère. Et ça, c'est pour mon fils. Foiré. Ok, alors qu'est-ce que ça me rapporte ça, disons ? Pouvoir épique ! Ok, bon, très bien. Bon, bah écoutez, c'est très bien tout ça. Mais au final, hein ? Je sais pas trop. Amélioration. Prochain point. J'ai encore un point de compétence, putain, j'en ai plein. Pouvoir insuffisant. Bah oui, mais. Du prochain rang. Ah, ok ! Chaque fois que je gagne un rang, ça me donne genre la ligne supplémentaire. Bon bah du coup, je vais tout prendre. Sans concession. On s'en fout un peu. Pas assez de points, oui, je sais. Tout simplement, comme ça au moins, voilà. Tout ira bien. Bon bah du coup, allons faire les petites missions principales, là, maintenant que j'y suis. Eh mais moi, je suis meilleur archer que toi, moi. Eh oui. C'est ça la vie. Salut gros, ça comme tu veux. Et voilà. Bon alors, du coup, hein, on va arrêter de faire n'importe quoi. On va aller là. Alors pour aller là, l'esprit du Mordor, on va tuer lui. Tuer Kugog le gardien pour obtenir une récompense spéciale. On va tuer lui et parce que c'est sur le chemin, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Ma force, ce n'est pas seulement de savoir manier l'épée, il est où, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui mentir en face. Il est où? Je le vois pas. Hé hey gros, ah t'es là. Je peux pas genre sauter. Bon, bah, attends. Hop là. Très bien. Suivant. Putain, il y en a deux là-bas. Je vais récupérer des petites flèches tant qu'à faire. Vous avez entendu ça? Salut. Et voilà. Comment on récupère ces flèches. Hop. Ouais, on n'a pas trop envie que les orques donnent l'alerte, hein, en soi. Des renseignements, vite. On y va. Salut gros. T'as vu, les gens ils peuvent pas venir me voir quand je suis comme ça. C'est genre... trop bien. On gratte le destructeur. Ok. Salut. Ça va, je fais que passer là.
Arrêtez de faire genre. Je rêve. Mec, spawn vraiment pour des mecs forts quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Les gars, vous êtes beaucoup trop nuls. Tu m'as pas vu. Personne m'a vu. Je suis hyper discret. Hop là. Fort bien. Pas l'air d'y avoir grand monde par ici. Zolar malin. Tiens d'ailleurs je peux faire ça du coup. Sympa. Pas mal tout ça. Intéressant. Bon, n'empêche qu'il est pas là le mec, hein. Il est un peu plus loin peut-être. Ouais, j'y suis presque, mais pas encore tout à fait. Donc continuons notre chemin. Hop là. Salut les gars. Ah oui, c'est vrai. Mage, on a dit. Et qui toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Hop. Excellent. Retire. Putain mais arrêtez là un peu, ça suffit maintenant les conneries. Et non tu m'auras pas. Putain mais y en a tout le temps quoi. Non, toi tu fais rien du tout toi. Tu fais rien du tout. Moi je te bute. Ah, j'y vois rien. Aïe, mais j'y vois rien là. Ah, terrible. Terrible. Ah. Ok, c'est bon. Vous avez fini là. Vous allez me laisser tranquille maintenant. Non, toujours pas. Bon. Très bien. Quand tu veux. Bon. C'est bon, c'est fini là. Putain. Jamais tranquille dans ce pays quoi. Sérieux. Ah mais c'était par là. Moi je suis allé par là. Bon tant pis, on va battre lui. Plus 40 pouvoir, mais c'est génial ça. Vas-y, on y va. On y va de ouf. Ah bon, de ouf. Comment on fait pour faire un... Comment on fait pour genre... Personne pour me sauver. Vous voulez dire personne pour vous sauver, non? Parce que là, on joue pas dans la même course, tu veux. Je peux sauter pas là-bas, mais plutôt vers là-bas. Hop. Ok, Bali. Ah, ok, Bali. Collecter. Sympa. Bon, allons par là. Je suis presque là, garçon. On va tuer les archers parce qu'ils cassent les couilles quand même. Il est où? Il est juste derrière. Très bien. Qui c'est qui m'a vu? Personne m'a vu. Mais comment tu fais exprès? Tu vas y arriver. Voilà, c'est bien. Première mission du jour. L'esprit de Mordor, les violentes luttes de pouvoir permettent aux Uruks de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orques les plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter ces luttes en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Ok, essayons ça. Mordor, approche si tu veux la main noire. Et ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles.
Mm-hmm. Et si tu coupes ses cordes, Gradbach te dira tout ce que tu veux. Genre tout ce que je veux. Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de chac, fais-le. Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête et mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Radbag peut t'en dire plus sur les orques. Radbag peut faire marcher ton plan. Mm-hmm. Intéressant. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Alors, ce n'est Goroth, ZQSD, très bien. J'ai déjà découvert lui. Il cherche une créature contre laquelle il pourra prouver sa maîtrise. Très très bien, ok, c'est cool. E pour découvrir les forces et les faiblesses, ouais, il a peur des Karagor. Voire 8. Ouais, mais lui c'est pareil, je pourrais le tuer assez facilement au final, si c'est comme les autres, je veux dire. Tu vois, ton problème, Rodeur, ce sont les chefs de guerre. Ils sont très influents. Si jamais il leur arrivait quelque chose, ils ne seraient plus en mesure d'écraser ta petite révolte, pas vrai? Je les traquerai. Et je les tuerai tous. Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ah, intéressant. Tu aides Radbag. Radbag Den. On va détruire toute cette armée de l'intérieur. Faire regretter mon choix. Ça risque d'être assez intéressant. Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques Karagor. Viens avec moi, Rodeur. Viens, maître. Allons trouver le précieux. Ça, t'as la démarche d'un Yankee, toi, non? On peut pas se fier à ses esclaves, prêts à vous frapper en traître. Ouais. Au moins les Uruks attaquent de face, et généralement à la gorge. Non, les esclaves, ils aimeraient bien se barrer. Tu veux tuer le capitaine? Et quelqu'un doit prendre sa place. Quelqu'un comme Radbag. Ouais, tout ça, on va le faire de l'intérieur, mais... Goroth qui commande. Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Comme l'araignée. Le capitaine n'est que le début du plan de Radbag pour devenir chef de guerre. Alors prépare-toi à lui passer sur le corps. Gardez Radbag en vie. Il faut que je garde Radbag en vie, tiens donc. Les défenseurs. Occupez-vous du rôdeur, pas de moi. C'est une cible plus facile. Son épée est cassée. Ouais. Hop. Venez plutôt m'affronter. Oui. Ah merde. Putain. Ça suffit maintenant les conneries, hein. Non, pas Uruk. Mais c'est pas Uruk qu'il faut que tu tues, espèce de gros débile. Ouais, mais si j'y vois rien aussi, c'est compliqué, hein. Putain. Mais je fais espace, mais... Ah. Non, il va mourir, ce débile. Ouais, je vais finir par crever si ça continue. Mais je suis con, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de putain de bouton. C'est nain. Bon, on va commencer par tuer lui là parce qu'il casse les couilles. Mais je sais. Attendez, Tiens,
Fichez la paix à cette vermine. Tiens. Venez plutôt m'affronter. Voilà. Très bien. Là, là, ça va être différent là. Là, je vais tous vous buter là. Ça suffit maintenant les conneries. Ça suffit les conneries, j'ai dit. Putain de merde. Je suis pas doué. Ouais, je suis désolé mec, tu vas perdre un peu de vie, mais c'est pas grave. J'ai juste envie de buter lui là, qui me casse les couilles. Voilà, c'est bon. Tiens. Mais j'ai fait F. Ah, excellent. Bon, c'est bon, vous êtes calmé là. Il reste un. Alors, hein. On attaque pas mes sbires, moi. Maintenant, imagine que tous ces corps sont grottes. Visualise ton but. Garrod veut la peau de Radbag depuis des années. C'est un sale arrogant. Arrogant. Il se cogne dessus depuis aussi loin que Radbag s'en souvienne. Mais Radbag ne gagne jamais. La dernière fois, je vais mettre un faible à la place des autres. Dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Radbag. Garrod va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Garrod garde des Karagor dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je crois que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. C'est un peu sa faiblesse, Garrod apparemment. Est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Génial. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Ouais, c'est du génie militaire. Le capitaine Garrod est juste devant. J'en salive d'avance. C'est l'heure de la vengeance. Ok les gars. Ok les gars, on va tuer ce bâtard. Ah ouais. Tiens, je peux débloquer une compétence. Faisons ça. Ok, les chevauchés de Karagor, ça c'est bien, ça c'est parfait pour la mission que je suis en train de faire. On va essayer de faire ça, ça peut être cool. On va libérer un Karagor. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Je vais tuer les archers aussi, parce que je sens qu'ils vont me casser les couilles. Chercher Garrod sans déclencher les airs. Oui. Non, tu sens rien du tout. On va faire le tour. On va faire le tour et on va essayer d'ouvrir les cages à Karagor. Et après, on va essayer de monter un Karagor. Ce serait génial, ça, non? Moi, je trouve ça plutôt cool comme idée. Ok. Espace pour esquiver les attaques. Comment je fais pour... Comment je fais pour le monter? Je voulais le monter moi. Je voulais monter le Karagor. Mais non, je veux pas le tuer, je veux le monter. Aïe! Salaud! Mais oh, j'ai fait espace là. Je crois qu'il faut que genre je reste appuyé sur espace. Comment je fais pour le monter? Comment je fais pour monter le Karagor, enfin? Bon, j'en sais rien. Casse les couilles. Un ennemi donne l'alerte. Ah non. Il est trop tard. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas compris. Je voulais monter le Karagor, mais ça a pas marché. Comment on fait? Bordel de merde. Bordel de cul. Amélioration.
Appuyez sur CTRL-G pour sauter sur le dos d'un Karagor. Et ben voilà, c'était écrit là. C'était écrit là, tout simplement. Donc on va recommencer, hein. Et après on va foncer dans le tas avec notre Karagor en mode... Et on va le buter. Le manche. Enfin je sais pas si ça marche comme ça, mais vous aurez bien. Excuse-moi, mais c'est juste que... J'ai pas envie que tu me fasses me repérer ou quoi. J'ai pas envie que... Voilà. Enfin t'as compris. Alors si je fais ça... Que je fais... Aïe. Reviens ici, reviens ici, reviens ici. Ah ! Mais viens ici ! Je veux juste te monter moi. Come on, come on, come on, come on, come on. Allez, allez, mais allez ! Putain, je vais y arriver un jour, tu crois, ou... Bon, ben, je sais pas. Mais c'est chiant. Comment je fais, bordel de merde ? C'est relou. CTRL-G pour monter sur le dos d'un Karagor, c'est bien gentil, mais... Mais je peux pas, quoi. C'est chiant. On va essayer avec lui. Il a l'air un peu plus docile, tout à fait. Ça marche pas! Come on! J'ai envie d'y arriver là. C'est casse-couille. Non, ça marche pas du tout. Hein. Pas de renfort. Bon, écoute. On va se casser, tant pis. Hein. Moi, je sais pas, ça marche pas. Ça ne marche absolument pas, donc écoute. Ah, il faut être au-dessus! Oh, gosh! Ça paraît logique. Puis, appuie sur la touche affichée pour dominer. Domination! Nice! Ok. Viser avec l'arc, mage gauche. Obtenir une émission aérienne. Et si toi. Et on peut genre monter bon. Ok. Salut gros. Quoi, je suis mort? L'alerte a été déclenchée. Ah. Bon bah écoute c'est bien gentil tout ça mais je vais faire juste la mission principale hein. Je suis désolé. Je voulais donner du... Je voulais essayer, tu vois, genre de tuer des gens avec des Karagors, tout ça. Mais d'abord, il faut que je le... Faut que je le repère. Bon, d'abord, on va le repérer. Première étape. Première étape. Hop. Ok, pour l'instant tout va bien. Ah, vas-y, par là j'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres archers ici? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors il est où cet abruti là? Un bon coin pour piquer un petit somme. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du Kansas. Mhm. Ah mais il est pas du tout là en fait, je suis trop con. Toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Goroth. Je suis beaucoup trop débile en fait. Vous m'avez pas vu les gars, c'est bon. Faites pas genre. Hmm.
Comment faire? J'aimerais qu'il ne me repère pas. Mais il y en a beaucoup là. Tant pis, on va pas passer par là. Vous avez rien vu, c'est bon les gars, faites pas genre là. On approche. Bon, laquelle de ces vermines est Gorotte? V pour entrer dans le mode spectral. Il paraît que le seigneur des... Il est là. Salut gros. Au bruit qu'ils font pour tenter de m'échapper. Allez, on y va, on va te buter gros. Je te jetterai avec Aragorn les pieds en premier pour que tu les vois te dévorer. Oui, mais alors j'en ai pas besoin actuellement parce que je vais juste te buter comme la merde que tu es. Actuellement. Allez, un dernier. 5, 6, 7, 8. Hop! Tu vas crever. Et tu ne t'enfuiras pas. Je vais juste te buter. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Tant pis pour les Caragors. Moi, je le défonce, moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, putain de merde. Ah, il y a eu un duel. Ratbag, la mauviette, a été promu. Dis donc. Ça, c'est mon bonhomme, ça. Ratbag, la mauviette. Génial. J'ai besoin de vous pour transporter un cadavre. Je vais m'en faire un trophée. Dégage, vermine. Oh, tu parles meilleur là, c'est ton capitaine maintenant. C'est pour son cadavre puant que j'ai besoin de vous. Maniez-vous, allez. Ferme-la un peu. Putain, il te manque de respect en mode violent quoi quand même hein. Ça, respectez-moi un peu. Après, logiquement, si lui il a réussi à tuer Ratbag, enfin Grotte, je pense qu'eux ils peuvent facilement tuer lui. Eux, bon, s'ils tuent lui, ils deviennent capitaine du coup, tu vois. Mais ils ont l'air un peu plus puissants que lui, quoi. Concrètement, je pense pas que Ratbag, la mauviette, la lopette, tout ce que tu veux, pourra faire quoi que ce soit. Yeah, 700 d'XP. D'abord, je ressuscite grâce à un... Et on peut faire un mode photo, ok. Et voilà que je travaille avec un orc. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Eh oui. Les orcs se détestent d'accord. Entre eux presque autant qu'ils nous détestent. Bon, du coup, plus voir plus 40, etc. J'ai quand même pas assez pour... d'afficher vos attributs. Appuyez sur E dans ce menu. Mes attributs. Qu'est-ce que c'est les attributs? La monnaie qui vous permet d'améliorer vos armes, d'augmenter votre capacité maximale de santé, etc. Ok, mais ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Vous n'avez pas assez de mini trucs. J'en ai combien? Ah si, je peux augmenter ça. Emplacement de rune épée. Débrouiller un emplacement pour rune d'épée. Bah écoute, ouais, ça m'a l'air bien. De toute façon, je vais tous les prendre, hein. On va pas faire genre. Du coup, j'ai une rune supplémentaire pour mon arme. Si elle peut bien apparaître. Yeah, rune disponible, allez. C'est quoi j'ai gagné là? Augmente les dégâts de mêlée de 19% quand le compteur de coups se situe entre 15 et 29. Excellent. Vas-y, je prends ça. Fort bien. Prochaine étape. Tuer cette chose. Compléter plus de missions principales pour dépêcher ceci. Ah oui, non. Il faut que je fasse la mission principale, genre celle-là d'abord. Prochaine étape, on va aller directement là. L'esclavagiste. Bon,
Eh ben écoutez, c'est là que je m'arrête. Et puis maintenant qu'on a tué, Gorot, et qu'on a fait passer Ratbag au niveau supérieur, on va peut-être continuer comme ça jusqu'à la fin. En mode, on va juste détruire Sauron de l'intérieur. Ça serait génial, ça. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!